Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. On va voir ce que nous réserve ce match. Il allonge vers l'avant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, voici Immobile. Il écarte sur l'aile. Correa! Attention, la frappe! Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, ça aurait pu faire, mais je ne sais pas passer loin. Pereira, Lulic qui récupère ce ballon. La Lazio qui a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs. Belle série en cours. Lulic. Il ne se pose pas de questions. Le bon dribble. Giacchierini. André Pereira. C'est joué long. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Arnold, sanctionné par l'arbitre. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Quelle détente! Oh, l'énorme occasion de la tête! Chievo Vérone qui s'est imposé lors de la dernière journée en grande partie grâce à son entraîneur. Oui, enfin, le mérite en revient aussi à ses joueurs. Hein, parce que passer à 3 défenseurs en plein milieu de match, c'est pas évident. Le bon dégagement. Mais c'est directement récupéré. Le jeu repart vers la droite. C'est joué long. Attention. Il cherche un coéquipier. Il peut frapper. Et but pour la Lazio. Et l'ouverture du score pour la Lazio. Il est toujours bien placé, la preuve. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Arnautovic qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Giacchierini qui a de la liberté. Pélissier. Il est servi. Faut frapper là. Ça passe juste à gauche. Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Et le ballon qui est remis dans l'axe. La Lazio, qu'on sent bien en jambes aujourd'hui, ça tient bien le ballon et ça mène 1-0. C'est joué long. Lulic. Bien servi. Oh, c'était dangereux, quel geste! Le Chievo Vérone qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Centre détourné!
joue à rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Lulic, il cherche son coéquipier. Arnautovic. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. De là où il est placé, il peut frapper directement. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être trop loin derrière au tableau d'affichage. Oh, l'intervention magnifique! Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Immobilier. Oh, voici Arnautovic. Il joue dans l'espace. C'est bien fait, ça. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, voici Arnautovic. Correa. Faut tirer, là. Et c'est un but. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Quelle intelligence dans la finition. Correa, qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Le break est fait, on est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. La bonne passe. Quel manque de réussite sur son tir. Parolo ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. C'est dégagé. Arnold. Qui a de l'espace. La Lazio qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Lulic pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. Oh, un bon centre. Il met la tête. Oh, encore un but. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Arnautovic qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue en profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. Il glisse le ballon en profondeur. Arnautovic ! Il rate le cadre. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. C'est osé pour Arnautovic. Le ballon piqué sur le côté. Quelle inspiration. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Quelle passe. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. 3-0 à la pause, on vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé.
la Lazio qui rejoint donc le vestiaire avec 3 buts d'avance. On a hâte de voir les ralentis de cette première période. Et c'est reparti. Correa. Arnold. Badelj. S'il le trouve, Caicedo qui choisit le côté gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Voici un bon sang. Oh, la tête! Il était tout seul. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. André Pereira. Le Chievo Vérone qui cherche l'ouverture. Long ballon vers l'avant pour filer droit au but. Oh, le contre, l'arme fatale. Le bon dribble. La passe dans la profondeur. Pélissier. Oh, que ça va partir vite. Arnold. Badelj. Lucas. Voilà une bonne occasion de contre. Il joue dans l'espace. Le Chievo Vérone qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Oh, la frappe! Oh, il était bien placé. Quelle occasion ratée! La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux. C'est dommage. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La faute. Caicedo. Voilà un marquage très agressif. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Caicedo! La passe interceptée. Il frappe au but. Oh, c'est loin du cadre. Ce genre de frappe peut faire des dégâts même à cette distance. Mais pas là. Pereira. Il glisse le ballon en profondeur. Il a du champ sur le côté. Le tir. Ça manquait de présence à la réception. Il ne sera pas à temps sur cette balle. Il change complètement de côté. Va-t-il en profiter? Ils étaient en infériorité numérique, ils s'en sortent bien. C'est joué long, c'est dangereux. Ça peut partir en contre. Avec Caicedo, Giaccherini, Pélissier, ça joue à gauche. Il y a encore la possibilité d'un changement.
C'est bien donné. Oh, le bon frappe. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Ah, c'est dommage, il avait bien contrôlé le ballon là. Ce sera un coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Lulic. Assez mal joué, ballon perdu. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Et il continue de progresser. Lucas, la relance côté droit. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Arnold, il va tirer ce corner. Un peu d'oxygène pour sa défense. Frappe de Lucas. Ça aurait pu être leur quatrième but. Le contrôle était un peu manqué. C'était compliqué pour le tir. Et c'est récupéré encore une fois. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Bien joué ça. Caicedo. Il décide d'allonger le jeu. Ce contre peut très bien aller au bout pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Oh, le tacle superbe. Écarte, c'est bien fait. Il tire. À côté. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Oh, voici Arnautovic. Bien joué ça. Il est bien placé. Et bonne intervention. Ils obtiennent un coup franc. Il aurait pu être sanctionné. Mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est loin, très loin même, mais sait-on jamais. Giaccherini. André Pereira. C'est un bon mouvement. La passe est précise. C'est joué long, attention. Il joue dans l'espace. Bien servi. C'est un bon ballon. Badej. Lulic. Lucas. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils ont marqué très vite dans ce match et ça a boosté leur confiance. C'est là qu'ils ont fait la différence puisqu'à l'arrivée, ils s'imposent par un seul but d'écart. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Avec grand plaisir, Grégoire. All the simple things, all the little things will make it hard to touch my skin now.